Salut à tous, c'est l'Agricoque, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, petite vidéo rapide, parce que j'ai pas eu trop le temps de me retourner depuis la vidéo de l'ensilage qui est sortie vendredi dernier. Elle est un peu bruyante celle-là. Et donc cette semaine, on refait un petit point sur tout ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc mardi, ensilage. Mercredi, on a fini de couvrir les silos. Jeudi, on a passé la journée à réparer la remorque, parce qu'il y avait quand même un peu de soudure à refaire. C'est pas méchant, hein, la remorque elle reroule, elle est partie en corvée vendredi et samedi sans problème. Mais bon, il y avait un peu de soudure à faire quand même et il fallait la remettre bien droite quoi. Donc voilà, jeudi ça nous a occupé toute la journée à faire ça. Et donc vendredi en silage, samedi en silage. Et donc samedi j'ai eu l'occasion d'aller voir le nouveau Fen 720 One, les tout nouveaux Fen avec la cabine avec tout le joystick, la panoplie de boutons qui était super beau à voir. Franchement, le tracteur est super confortable et ça doit être vraiment un régal à le conduire. Et donc j'ai été surpris vraiment par le confort du tracteur. Vraiment, on est super bien dedans. La cabine n'est pas bruyante du tout. On est vraiment très très bien. Et le deuxième point, bien entendu, c'est la boîte Vario de chez Fen. Ça, c'est vraiment un régal. On ne sent même pas les vitesses passer. Ça roule tout seul. Il y a juste à freiner ou à accélérer. Donc vraiment un super beau tracteur. Donc nous, début de semaine, on avait prévu faire du lisier lundi, mardi. Parce qu'on doit semer les régras. Ils annonçaient beau toute la semaine, donc on avait vraiment prévu faire du lisier, déchaumer et semer le régras et que tout soit fait vendredi. Malheureusement, la tonne à lisier que l'on prend d'habitude, elle est en panne et la deuxième deuxième Kuma, elle est déjà en service. C'est un autre agriculteur qui l'a, donc on n'a pas de tonne à lisier, donc on ne fait pas de lisier. Donc voilà, bon, c'est un peu un temps mort, on va dire, aujourd'hui, début de semaine. Ça ne fait pas de mal non plus parce qu'après les grosses périodes d'ensilage, voilà, faut remettre un peu aussi la tête aux vaches, c'est important de bien continuer à suivre le troupeau. Une chose aussi, lundi matin on est allé faire un petit tour au marché, puisque comme on n'avait pas de tonne à lisier, on n'était pas surchargé de travail et donc on en a profité pour aller faire un petit tour au marché à Torigny-sur-Vire, juste à côté de la ferme. Donc ça faisait vraiment très longtemps que je n'étais pas allé là-bas. Et donc par la même occasion on a amené un petit veau pour le vendre. Donc voilà, les éleveurs apportent leur veau. Il y a des marchands qui sont là pour les acheter et donc c'est un peu une vente aux enchères quoi. Donc c'était vraiment super sympa, il y avait plus d'une trentaine de veaux à vendre lundi matin et la semaine d'avant il y en avait plus de 50, donc j'étais vraiment surpris par le nombre de veaux qu'il y avait et voilà, je ne pensais pas qu'il y avait encore autant de veaux vendus sur le marché. Donc voilà, donc nous pour le prix du veau, vous l'avez vu sur Instagram, on a vendu le veau 20 €. C'est lamentable, hein. Faut pas se le cacher, 20 € ça paye même pas le prix de l'insémination, donc c'est un peu une catastrophe, mais en ce moment les veaux ça se vend pas du tout. Notre premier marchand qui vient habituellement prendre nos veaux sur la ferme, lui il en voulait même pas, donc voilà, la seule option qu'on a eue nous c'était d'aller le porter au marché, donc on l'a vendu pour 20 €, voilà, c'est mieux que rien du tout, hein. Et voilà, c'est comme ça, nous éleveurs on peut rien y faire, c'est les marchands qui commandent, c'est comme ça. Et donc pour finir cette vidéo, je vous propose seulement, je vous mets des images, vous les jugez par vous-même, parce que ce matin on a eu 3 vélages à la ferme, vraiment c'est super beau, super chouette à voir. Malheureusement j'ai pas pu filmer le vélage en direct, j'ai juste pris des images après, des veaux qui se baladent dans la prairie avec leur mère. Donc voilà, bonne vidéo à tous et je vous dis à très bientôt, ciao.